Mbemba, c'est moi qui te parle, moi, ton grand frère. Que cela te fasse mal ou pas, moi, je m'en fous, mais moi, je te demande. Longola bato wana. Soki ozoko banga, que bamenye bako bumayo, bon, tika politique, ça la commerce de osara. C'est simple. C'est simple. Tika politique, ça la commerce de osara. C'est simple, tu vivras toujours. Il n'y a pas que la politique qui fait vivre les gens, sinon le Congo entier serait un Congo de politiciens. Mais il y a des gens qui vivent avec les Matembele, avec les Ndunda. Ils mangent, ils ne sont pas des politiciens. Mon frère Jean-Pierre Bemba, tu t'es sali en faisant alliance avec une bande de milassos politiques. Je crois que les compatriotes congolais qui sont au niveau des États-Unis, partout à la diaspora, ils ont suivi votre réponse qu'ils doivent soutenir l'implication, l'initiative de Donald Trump, n'est-ce pas? Mais maintenant là, M. Joseph Kabila refuse la visite des diplomates américains. Votre réaction là-dessus, pourquoi? Bon, c'est similaire un peu à la fin du règne de Mobutu. Mobutu aussi avait résisté quand l'ambassadeur Richardson lui avait amené la lettre de Bill Clinton et du gouvernement américain. Mais comparaison n'est pas raison. Il y a des choses, il y a de l'hypocrisie et il y a de la vérité dans tout ça. C'est quoi? Tous les présidents que nous avons au Congo ont été mis là par les Américains. Okay. Excepté Lumumba qui n'était pas président mais qui était premier ministre. Soit c'est de l'hypocrisie, parce que je ne vois pas comment est-ce que Okiko Boya, Koyamba Batoyo, Batiaki, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir de refuser un ambassadeur ou un envoyé, un émissaire américain occidental. Ce sont eux qui l'ont mis là-bas. Qui est Kanambe pour refuser de recevoir un ambassadeur occidental? Lui, un pauvre de Tanzanie dans la rue, qui allait connaître soi-disant Kabila dans ce monde, ni t'étais les Américains, ni t'étais tout ce que je vous ai brossé ici. Qui allait les connaître? Soit c'est un jeu pour chercher à flouer la population, soit aussi c'est une vérité parce qu'il voit qu'il est à sa fin. Il est à sa fin parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il ne comprendra jamais jusqu'à ce qu'il va mourir ce qu'est la politique. Il ne comprendra jamais que ces gens vous utilisent. Ils vous pressent comme des citrons. Dès qu'ils ont pris le jus dont ils avaient besoin, ils jettent la peau et tous les corps. Et ils sucent le jus. C'est ce qui les plaît. Et toi, on te jette. Lui, on l'a déjà sucé. On l'a employé. Il est fini. C'est une peau vide qui est sèche. On jette. Il est bon pour la poubelle de l'histoire. C'est fini. On jette de la poubelle de l'histoire. Un Kanambe a vécu, il a aidé les Occidentaux à piller un pays qu'on appelle Congo. Et il ignore que les Américains ont géré de plus grands que lui. Saddam Hussein, qui a mené une guerre pour les Américains contre ses frères iraniens pendant 6 ans. Les Américains ont utilisé Charles Taylor pour exploiter les diamants de Liberia et trancher, amputer les mains de ses propres frères. Et à la fin, ils l'ont pris, ils l'ont ramassé comme une souris, on va les jeter à la haie. On n'est pas parlé du plus grand de tout le monde, Mobutu Sese Seko, pendant une trentaine d'années. Et à qui on vient dire, bon écoutez, c'est terminé maintenant, hein, tu peux partir maintenant. Mobutu était le président de l'Afrique, il était le président du monde. Lui, Kanambe, c'est qui? Il est qui lui? C'est un frétin, Hassan Dakala. Hein? C'est un frétin. Il ne vaut rien. Akiko Boy, là, Kouyamba, nani, émissaire américain, c'est un frétin, il ne vaut rien. Et c'est quelqu'un qui se trompe, il est fini, c'est fini. Tout ce qui lui reste seulement, Babou Maye, c'est tout. Il a encore la chance qu'il est là. Il ne faut pas boumailler, c'est tout.
Et nous, les Congolais, nous devons nous préparer à l'après, l'ère canadienne, et savoir comment nous pouvons gérer notre pays. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant que tu kabonanayo, wanana lobomna lingala na tunayo, Jean-Pierre Bemba, tolobela qui ont déjà flashé sur comment mouké. Lelo yo parti nezo sala troisième congrès et tomoni lelo comme nous parlons maintenant là. A invité représentant à PPRD. Nous avons vu la présence de Félix Tshisekedi, Tomoni représentation à Assemblée, il y a Moïse Katumbi. Maintenant, on se pose la question, troisième congrès à MLC, Jean-Pierre Bemba avait invité Batouana tous. C'est quoi juste? Qu'est-ce qui se joue maintenant? Quelle est la carte et oser se jouer actuellement pour Jean-Pierre Bemba avec son sort? Bon, c'est un devoir à domicile. Après le lavage de cerveau. Il a assisté à une leçon pendant 10 ans. Une leçon dont le titre s'intitule Lavage de cerveau. Maintenant, il y a un devoir à domicile. On va mettre papa Sabine sur l'école. On va faire maintenant le devoir à domicile. Il le fait intentionnellement, tout comme il le fait par respect de devoir à domicile qui lui a été donné par les laveurs de cerveau. Parce que s'il est demeuré opposant, je demanderai à Jean-Pierre Bemba, qui est le fils de Mobutu, d'épurer son parti et de recruter de nouveaux éléments. Parce qu'il a été trahi. Ce serait exagéré, mais il a été trahi par au moins 90 ou 95% des membres de l'ERI à côté de la prison. Donc, coalition Yaye, na Tshisekedi, na syndicat, ou syndicat, je ne sais pas comment il s'appelle ce type-là, soit un club de mafieux. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba que le Congo attendait pour sortir de la situation actuelle. Ce n'est pas lui. Moi, encore syndicat. Et nous n'avons pas besoin des enfants qui ont été nourris au lait, au miel, qui n'ont pas souffert comme nous. Ils ne connaissent pas la souffrance du peuple congolais. Ils n'ont jamais souffert comme nous. Ils n'ont jamais souffert. Alors nous, toujours c'est la bangote. Bemba, ce qui a lingi, a redoré carrière politique naïe, a joué un nouveau sang, Makila et Asika, a recruté Bangote, na batoune tibatoua, IDPS, parce que l'IDPS c'est un parti de traîtres. C'est un parti de traîtres connu mondialement. C'est un parti de traîtres. Alors, c'est un parti de Ndumba. Il y a un peu de lié à partir de Ndumba. Il y a donc à Ndumba. Jean-Pierre Bemba Ndumba. Parce que ce n'est pas lui, si réellement il a été en prison, s'il a souffert en prison, il ne peut pas faire romance avec le Ndumba. Bon, parce que nous savons que bon, la haie, ce n'est pas une prison, c'est un hôtel. C'est un hôtel de luxe. C'est ils allaient prisonner. Ils allaient hôtel de luxe. Bon, mais s'il a été vraiment. S'il a souffert, c'est quelqu'un qui doit revenir avec le même esprit. Oh, tu es balayé à l'époque. Mbemba, c'est moi qui te parle, moi, ton grand frère. Que cela te fasse mal ou pas, moi, je m'en fous, mais moi, je te demande. Longola Bato Wana. Ce qui est au Banga, que Bamilie Bako Boumayo, bon, tika politique, ça a commencé au Zéosara. C'est simple. C'est simple. Tika politique, ça a commencé au Zéosara. C'est simple, tu vivras toujours. Il n'y a pas que la politique qui fait vivre les gens. Sinon, le Congo entier serait un Congo de politiciens. Mais il y a des gens qui vivent avec le Matembele, avec le Ndunda. Ils mangent, ils ne sont pas des politiciens. Mais ceux qui osent continuer à recruter Batouana, alors tu as jeté un discrédit sur toi-même. Parce que tu t'entoures avec des gens, Oyo Bazali, na confiance et à peupleté. Félix Tshisekedi, c'est qui? Vous allez ramasser une histoire comme ça.
vous l'amenez leader de quoi et de qui? Syndicat de Kolo, qui le connaît? Qu'il reste à Sao Tome et Principe, là où son beau-père est parti, ou en Angola, où il va faire son commerce des statues, ou qu'il vienne nous construire un musée et des statuettes au Congo, ça va. Ce sont des gens qui n'ont pas souffert. Je ne dis pas que la politique est exclusivement pour les gens qui ont souffert, mais ce sont des malhonnêtes. Pas syndicats, je ne connais rien de syndicats. Je ne connais rien, mais pas Félix Tshisekedi, pas Moïse Katumbi. Mon frère Jean-Pierre Bemba, tu t'es sali en faisant alliance avec une bande de milassos politiques. Cela nous amène à la fin de notre interview costaud aujourd'hui, parce que vous avez tant réclamé la réaction de M. Kilele, qui a fait un peu un bon moment de silence, mais voilà, il est revenu avec sa réflexion. Les propos émis dans cette émission engagent que le président Kilele ainsi que mes intervenants. Vous voulez aussi participer, vous êtes la bienvenue de prendre part à notre conversation. Ça continue s'il y a des questions, des réactions contraires à ce que nous avons dit. Vous voulez encore commenter, nos numéros sont affichés à leur petit écran. Grand merci. Et permettez-moi de saluer Eddy Kapen qui est à Chabunda là-bas au niveau de Est, qui fait diffuser nos émissions partout dans l'Est. Merci à toi, Eddy Kapend. Je dis aussi merci à Kevin James Mossi. Il est aussi de l'autre côté de Kisangani qui suit nos émissions et qui aide aussi à la population congolaise de suivre nos interventions avec M. Kilele. Grand merci à vous deux, vraiment continuer aussi à faire ce travail dont nous sommes là juste pour apporter la réflexion et la connaissance afin que les Congolais puissent être restaurés, n'est-ce pas? Merci à Jean-Marie Poupa pour sa disponibilité à la réalisation de cette émission. Merci à Didier pour son intervention et son assistance. Merci à vous aussi, chers compatriotes Banamboka News sur RDC Bozana Diaspora Congo. Il vous a toujours restauré. Merci, on se retrouve à vos prochaines. Facebook, je suis Bolois. YouTube, c'est Congo Dialogue. Restez branchés. On se voit à un prochain numéro. Bye.